Après la pluie, le beau temps. Hey, hey. Salut, c'est Saëlys. Je suis très bien arrivée à Abidjan. Le vol était très agréable et il fait bon. C'est super d'être ici. J'ai vraiment hâte que les festivités commencent. Et voilà, à bientôt. Nyama ma tonera ma pana nyimiami pour débarquer. C'est un sentiment de joie pour moi sans abord de trouver Abidjan, là où j'ai commencé ma première note de la guitare. C'est une chance pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui hésitaient et ne croyaient pas peut-être le fumier. En tout cas aujourd'hui c'est la réalité. J'invite tout le monde le 5 samedi sur le grand podium à Marcoury pour qu'on puisse faire la fête. Vive le fumier et vive tous ceux qui sont réfléchis d'une manière ou l'autre aujourd'hui pour retrouver, pour regrouper presque la plupart des jeunes africains dans la joie et dans la paix. À Kwaba, comme on dit ici à Abidjan, je suis Hortense Assaga, donc journaliste sur Africa 24 et je suis ici pour le FEMUA, le magnifique festival qui va se tenir à Numabo pour la 7e édition, un festival que je ne manque jamais parce que je trouve qu'il met en valeur la musique du continent, les artistes du continent et de la diaspora. Et surtout, il permet à tous de vivre ensemble et de partager la culture parce que la culture, c'est la vie. Donc, j'invite tous ceux qui vont me regarder, m'entendre, à venir partager ces soirées de concerts, d'échanges, de partage avec les artistes, bien sûr, mais aussi avec les populations d'Anoumabo et évidemment à être ensemble pour la paix parce que ça, c'est le thème aussi de cette édition et on a besoin de la paix pour la culture et pour le pays et pour l'Afrique. À bientôt. Déjà, je me sens déjà comme étant chez moi et je voudrais dire merci pour l'accueil, les mentalités, la gaieté que dégage ce pays. Et à peine arrivée, je suis en train de découvrir et je dis merci d'avoir, parce que j'ai été choisie pour représenter le Cameroun au FEMUA. Pour moi, c'est une très grande fierté. Et le FEMUA, pour moi, j'ai toujours entendu parler du FEMUA. C'est un grand pas, ça apporte un plus dans ma carrière et je suis fière de ce système qui a été installé par les Magic Systems et c'est l'exemple à suivre, ça nous permet aussi de faire la même chose dans nos pays respectifs. Voilà, je suis très content, j'ai vu mes fans, ici ils connaissent aussi la rumba, donc je suis venu vraiment chanter pour eux, je suis venu faire les shows pour les Ivoiriens. Et je suis vraiment très content à l'accueil. On nous a bien accueillis. Ben, ça va, on est bel et bien arrivé. Ben, comme vous savez, on est venu pour gâter, comme d'habitude, les sous-chocs. Ok, merci bien. Bonjour, bonjour, amis du FEMUA, on est là. On est en Côte d'Ivoire, on est chez nous, on est heureux d'être chez nous. On respire l'air, vraiment l'air original de la Côte d'Ivoire. Ça nous a manqué, ça fait plaisir. Donc on est là pour le FEMUA. On est là, le spectacle que vous connaissez, c'est sous-choc. En choquant, choquant, on est ensemble à Asia. Nous sommes fiers d'être là. C'est un devoir des citoyens africains de venir accompagner un si tel bénéfice à l'intérêt de toutes les nations africaines que nos frères ont mis en place. Donc je pense que la première des choses, c'est d'être ici, venir accompagner cette initiative qui ne peut être que la meilleure pour tous et les encourager sur ce chemin. Et voilà, ça c'est notre but principal d'être là. Et on va les offrir ce qu'ils attendent de nous, comme d'habitude.